Olivier Taluc, bonjour. Bonjour. C'est pour moi une grande chance de te revoir en fait ici à Angoulême. Ben, mon plaisir également. Et enchanté. En même temps, pour en fait une superbe reprise, on peut dire reprise, la série de 13 trilogies. C'est une reprise ou c'est une suite? Comment est-ce que tu pourrais expliquer? Je pense que c'est une reprise quand même, malgré tout, ouais. Parce que c'est vrai que ce personnage a quand même été brillamment créé par Jean Van Damme et William Vance, qui a fait vraiment un personnage charismatique et que j'adore. Voilà. Et je trouve qu'elle vole même la vedette à 13. Donc oui, c'est une reprise. On va pas le nier. Et en même temps, grâce à toi, bah, John s'est devenu en fait une héroïne à part entière. Parce qu'en fait, le premier tour s'appelle Azur Noir. Et on retrouve en fait une des plus belles héroïnes de la série 13. Et toi, tu lui as donné un graphisme qui est impressionnant. Parce qu'en même temps, elle nous plaît tout de suite. Ben, en fait, on va dire que notre plaisir, pour la plupart des dessinateurs réalistes, c'est de dessiner des jolies filles. Et Joan, c'est vraiment l'archétype même d'une jolie fille. Et donc, je prends un pied pas possible à la dessiner. Et je voulais effectivement lui donner beaucoup d'humanité, à ma moindre mesure, mais en tout cas, c'était mon but. Et donc, j'espère que les gens ont envie de suivre Joan tel que je l'ai dessiné. Ouais. Ça, ma grande ambition, voilà. Et avec toi, on fait un grand voyage en retour, en fait, on est les années 70, donc 70 pour nous en Suisse, et on est en même temps, on va plonger avec la guerre du Vietnam. En même temps, il y a une double histoire, parce qu'en même temps, il y a son frère qui essaye de partir de prison, en fait, c'est l'année d'Alcatraz, c'est quand même une prison qui est mythique et historique. Et c'est vrai que, comment est-ce que tu t'es plongé par rapport, je sais que tu travailles avec Yann, mais comment est-ce que tu t'es plongé par rapport à cette aventure? Alors moi, il se trouve que j'ai fait un voyage à San Francisco il y a quelques années de ça. Alors on n'a pas, on n'avait pas eu l'occasion d'aller visiter Alcatraz, mais tout est trouvable sur Internet. On trouve maintenant beaucoup de documents. Et surtout, ce qui est intéressant dans la façon d'approcher le scénario de Yann, c'est qu'il est parti d'un événement qui a réellement existé, c'est-à-dire l'invasion des Indiens d'Alcatraz. Et ça, j'ai trouvé ça très malin de sa part. Et en fait, John, ça va venir une série. Est-ce que c'est toi qui vas lister tous les prochains albums? Alors, ça sera pas vraiment une série, ça sera plutôt une mini-série. D'accord. Une trilogie, donc 3 albums. Et donc, je vais dessiner les 3. Là, j'ai pratiquement fini le deuxième, qui devrait sortir courant 2024, donc normalement en juin. Là, les couleurs sont en train d'être faites. Moi, il me reste plus que 3 pages, donc vraiment, c'est prévu et ça sortira normalement, ouais, en juin. Et le troisième tome devrait sortir courant 2025. Mais je peux pas encore donner de date. Il faut le dessiner. Mais c'est impressionnant parce que tu travailles très vite. L'album vient de sortir. Tu dis qu'il y a le prochain album qui sort en fait cette année. Combien d'heures tu te passes sur tes planches de dessin? Non, là, on a un petit peu triché. C'est-à-dire qu'on a retenu, enfin les éditions d'Argo ont retenu le premier tome de façon à ce que les deux tomes sortent de façon rapprochée, donc un à chaque année, un en 2023, un autre en 2024 et le dernier en 2025. Donc ça, c'est parfait pour le lectorat qui n'aime pas trop attendre. Et puis effectivement, c'était l'occasion de bien marquer la sortie de façon bien cadencée. Et en même temps, 13 à 40 ans cette année, et je sais que c'est pas le premier album de 13 que tu fais, donc pour toi c'était une sorte de retour en source. Oui, alors ça c'est une chance. Je pense que la première collaboration avec Dargo sur 13 Mystery leur a convenu, et donc ils se sont dit, comme je venais de finir un album, ils se sont dit, bah voilà, peut-être qu'il sera partant pour repartir sur une autre aventure dans l'univers de 13. Alors je me suis un peu tâté parce que c'est vrai que dessiner des voitures, des avions, des hélicoptères, des motos, voilà, c'est pas forcément ce qui m'est familier, mais ça valait vraiment le coup quand même. Et puis c'est l'occasion d'expérimenter.
et d'élargir son champ d'action, voilà, sortir un petit peu de sa zone de confort. Pour moi, oui, ça c'est clair que c'est une aventure graphique, une véritable aventure graphique. Et c'est vrai que tu parles justement d'aventure graphique, et toi, pour moi, tu es un des géants de la bande dessinée, parce que tu as fait une fresque historique qui est Chinaman. Et c'est vrai que pour moi, c'est une aventure qui m'est parfaitement à cœur, et c'est vrai que je trouve impressionnant ton travail, parce que là, tu travailles, en fait, dans les années 70, aussi bien maintenant, et tu nous as plongé dans une fresque, en fait, historique, qui était magique et magistrale. Alors ça, la série Chinaman, ainsi que Le Réveil du Tigre, qui est la conclusion de l'univers de Chinaman, c'est vraiment mon bébé. Autant, on va dire que Jones, quelque part, c'est un travail de commande, de luxe, mais un travail de commande. C'est-à-dire que c'est Dargo qui est venu me chercher, alors que Chinaman, c'est une série que j'ai initiée avec Serge Letendre. Suite à mon voyage aux États-Unis, j'ai eu envie de faire un western un peu atypique et de recréer justement les conditions de vie des émigrants chinois à l'époque et d'en faire quand même une série d'aventures et d'actions, plus ou moins réalistes, mais en tout cas, ouais, c'était mon envie. Et donc j'ai mené à bien cette série pendant 9 albums plus le dernier qui est un gros one shot de plus de 120 pages, et ça c'était un bonheur considérable. C'est ce pourquoi j'étais fait pour ce métier, c'est créer cette série Chinaman, voilà. Et en même temps, c'est une série que tu avais à cœur. Pour moi, c'est une fresque qui est historique, qui est importante, et c'est vrai que tu as réussi à nous faire en fait avoir la larme à l'œil, on peut dire ça. Moi, tous les récits, tous les films qui m'ont marqué, ce sont des drames, ce sont des histoires dramatiques. Et donc, quelque part, j'avais envie de faire ressentir au lecteur ce genre d'émotions que j'ai pu ressentir à la vision de certains films comme Spartacus, comme Ombre, comme La Horde Sauvage. Voilà, des films qui m'ont marqué en tant que spectateur et qui m'ont accompagné toutes ces années. Et j'avais cette motivation de finir la série Chinaman en feu d'artifice, voilà. Oui. Et donc émotionnel. Ah oui. Et donc je me suis attelé en ayant eu cette idée. J'en ai parlé à Serge et je lui ai dit là, voilà, j'ai trouvé ce qu'on allait faire, et c'était pour moi un moyen de dire adieu à ce personnage, quoi. Vraiment, je voulais pas forcément qu'il m'accompagne pendant 30 ans, mais en tout cas de tourner la page, mais de la tourner en beauté. Et ben, dernière question, je sais que tu nous as déjà un peu répondu que tu travailles sur l'album de 13, mais est-ce que tu as envie de tourner en fait sur une grosse fresque comme Chinaman, ou une série historique, ou western? Là, pour l'instant, l'heure est plutôt au one-shot, je dirais. C'est-à-dire que les éditeurs sont frileux quant à l'idée de lancer des nouvelles séries, parce que le lectorat a changé, il attend. Justement, il a plus envie d'attendre aussi. C'est ça le problème avec les séries. Ou alors, il faut que les éditeurs aient les reins suffisamment solides en se disant, on va garder au frigo un certain temps les premiers tomes, même si ils sont prêts depuis un petit moment, de manière à ce que les albums sortent de façon rapprochée. Mais en général, c'est vrai que les gens n'aiment plus attendre, ils préfèrent sortir des gros albums. Ce qui est un risque pour nous, parce que c'est vrai qu'un album, c'est la possibilité de vendre une histoire une seule fois, un gros album. Et si ça ne marche pas, c'est un risque énorme pour nous. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et puis à tout bientôt. Merci Olivier. Merci et bon courage. Merci.